Vite, mettons-nous à l'abri. Bon, les tapis ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas grave. Bonjour et bienvenue à... Ouh, ça glisse! Bienvenue à Disneyland Paris, en compagnie de Dinarel. Voilà, ça c'est le détail qui est énervant. Vous voyez la météo. Le 5 mars, rappelez-vous, il faisait beau, il faisait même plutôt chaud. Et là, ben, il se met de nouveau à faire tout pourri, hein, une météo entre neige et pluie. La neige fondue, ce que j'appelle du granité personnellement. Là on arrive, il est environ... Putain, la musique elle est vachement forte ici. Donc il est 7h35. Il est tôt, on va se faire du Space Mountain le matin. Et oui, encore une fois, on va rider de bon matin. Allez, fidèle à notre réputation, toujours premier à faire les attractions. Putain, je vais trop vers le bas, c'est pour éviter de me prendre de la neige fondue sur le pays. Donc on sera encore une fois premier à Space, comme tous les jours que je fais les EMH et comme quand je vais à Hank. Salut! On a très peur. Hop, on a entendu freiner un train en zone 6. On ne voit rien, c'est normal. On ne le sait pas, mais on vient de passer au-dessus de l'entrée du Sidewinder. Hein. Au-dessus de l'entrée du Horse Show aussi. Allez, on a déjà un ride dans les pattes. Space est en forme. Enfin, il y a toujours les effets qui fonctionnent hasardement, comme l'Africa qui est toujours éclairé en blanc. Et la galaxie fonctionne, ça va. Pour une fois que cet effet tient. Et la veille à la zone 6, on ne la voit pas. Putain, on entend la musique du train. Électro de Vélocitor. Allez, on va passer au-dessus du Corkscrew. Ah, on entend la même Innova. Ouais, on arrive enfin dans une partie plus lumineuse avec l'attente. Le vol d'aujourd'hui nous emmènera au confins de l'univers. On arrive en gare. Bon ben, il est l'heure de refaire un ride les amis. On veut plus de Space Mountain. Encore plus. Moi t'arrêtes? Non, pas du tout. Je viens juste de le faire trois fois. Trois fois sur le train 6. Alors le train 6 qui vibre atrocement entre le Sidewinder et la zone 3, c'est-à-dire la môme. Il y a un train qui vient de partir, mais on l'a pas vu. Parce qu'il y avait l'entrée du Nautilus devant. On l'aura entendu, ça sera déjà ça. Bon, on a le temps, donc on va se refaire un quatrième ride. 4 déjà. On a le temps d'en faire ce matin, c'est bien. Et voilà. On en aura fait 6, c'est pas mal. Hein, 6 Space Mountain, 6 sur le train 6. Je suis abonné au chiffre 6, allez, un troisième, ça aurait fait 666. Bon, heureusement, parce que là, j'aurais vraiment cru que ça aurait été un signe. Parce qu'en plus, vu le coaster que c'est, quoi, voilà. Bon, ben maintenant, on va s'arrêter là, au niveau des Space Mountain. Et on va aller rejoindre des amis au RER. Et nous sommes en panne en zone 5A à Rock'n'Roller Coaster. T'as travaillé ici ou quoi? Non, j'ai pas encore travaillé ici, pas encore. Peut-être plus tard, on sait jamais. Alors, j'aimerais bien voir l'arrière du parcours, là, on verrait le tout. Là. Alors, je suis au rang numéro 11 du Soundtracker Multicolor, qui n'a pas d'audio, comme d'habitude. Ah, on va marcher sur les magnifiques catwalks que nous voyons là, sur le côté du parcours. Ah. Il parle tout seul, votre pote, là, hein? Ça, tu fais, hein? Ouais. 101, oui, 101, exactement. Oui. Excellent. Et on se prépare à être évacué du Soundtracker multicolore. Trop trop bien. Donc ça c'est Rock'n'Roller qui ne marche pas très très bien. C'est parti pour l'évacuation. Pas souvent même. Alors voici l'OCC de la zone 5A. Putain, on a fait ça. Ouah, trop bien. Alors voici... Oh, j'ai touché Rock. Ouah, le rollover et tout. Oh ouais, on le voit trop trop bien.
Et nous venons de nous faire évacuer de Rock'n'Roller Coaster. Il y a des gens qui sont... Alors, donc maintenant nous allons nous diriger vers la TOT. Alors... Étape intermédiaire avant la tour de la terreur. On passe d'abord par les parachutes. Allez, finis un petit speech. Dis quelque chose. Allez, on check. C'est bon, c'est opérationnel. Mais non, mais dis quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'attends que ça dispatche et puis voilà. Raconte ta vie. J'attends que l'attraction dispatche et c'est bon quoi. Dispatch. C'est parti. C'est votre heure de gloire, messieurs et filles. On ne l'a pas que ce soit. Tu vois, la tour de la terre, c'est ça. Airtime. Tu vois? Attention, ça va être la dernière chute là. Go, go, go! Ouais! Non, mais je la fais pas la tour de la terreur, je la fais pas. Non, je la fais pas. C'est bon. Je ne fais pas la tour de la terreur, c'est hors de question. Non, mais non. Pause manger, miam miam miam, McDonald's. Oui, genre on aurait pu faire mieux, mais non, c'est pas moi qui ai choisi le... C'est pas moi qui ai choisi le restaurant, bon. Allez, une attraction fermée. Alors, nous revenons à Rock'n'Roller Coaster. Juste le fast-pass. Non, juste celui-là, le fast-pass, je le garde. Ah oui. Prends le fast-pass, on va s'en sortir. Donc, nous revenons à Rock'n'Roller Coaster. Récapitulatif, on l'a fait juste une fois ce matin, en high speed, évacuation zone 5A sur le son tracker multicolore qui avait pas d'audio. Donc Mais arrêtez de me déranger quand je filme, mais c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est ça. Et cette fois, on va passer avec des fast-pass. Et on se retrouve tout à l'heure en plein on-ride. On se retrouve pour un on-ride, eh ben évidemment que... Pour le moment, nous sommes en panne. Encore, mais sauf que cette fois, on n'est pas dedans comme ce matin, c'est moins drôle. C'est une bonne faute, ça. Après un Rock'n'Roller Coaster sur le Sound Tracker rouge en high speed, nous avons changé de parc. Direction le Vekoma Intergalactique Mission 2. Qu'est-ce qu'il arrive? Attention, il arrive. Notre train est là. C'est le numéro 4. Et on est tout devant. Attention. Alors, on a survécu à Space Mountain. Train 4. Alors le train 4, il a de la musique plus fort que le 6 que j'ai eu ce matin, mais par contre, qu'est-ce qui démonte le train 4? Il fait trop mal. Ouille. Ah, on est d'accord, il fait mal celui-là. Oui. Donc le train 4, le sidewinder, là j'ai bien mangé le harnais. Boum. Star Tour.
une attraction que je ne fais quasiment jamais, donc profitez-en bien, regardez. La Big Thunder Mountain. On se plante un peu d'attraction là. Allez, pour bien coller à cette vidéo, on va rajouter une petite musique technologique. Qui n'avait rien à voir avec l'univers de Star Wars, mais je m'en fous. Secteur 2. Et encore une attraction que je ne fais quasiment jamais. Et ce sont les gamins qui conduisent. Moi, je fais attention. Non, c'est moi qui conduis. Accélère, on rattrape. Regarde comme il roule quand je parle. Olivier! Mais non, faut pas faire ça! Tu donnes l'air plus volant, putain! C'est pas possible! Ça va? Veillez à ne pas tamponner la voiture se trouvant devant vous. Lorsque vous aurez atteint la mer du débarquement, restez assis. Elle démarre à son côté, la veille. Regardez. Et c'est parti pour Indiana Jones. Bah j'y peux rien s'il pleut, c'est la météo qui est comme ça. Oh Halloween, t'as... Ouh, y'a un truc qui est passé dans le loop là. Oui, oui, oui. Wow, je suis trop en doute. Alors attention Indiana Jones. Wow. Ça tabasse. Ah, je me prends des gouttes dans les yeux, c'est n'importe quoi. Wouhou! Ah! Attention, la frappe avant le loup. Ça freine toujours aussi sévère ce truc.